Sa Majesté Aimé Patrice André Ngomprizo a été adoubé par la grande communauté Mbangone comme chef supérieur du canton à Bonor. Il y a quelqu'un qui lui veut du mal, qui saisit cette opportunité pour cacher sur lui et les soucis. Ramasser les trucs, je vais dire comment. La preuve de bon, cette cérémonie d'onction traditionnelle qui, selon le collège d'initiés, confère au chef sa double plénitude légale et traditionnelle est un passage obligé pour tout monarque. C'est lorsque vous avez cette onction traditionnelle, c'est à ce moment que vous devenez vraiment chef. Parce que là, vous avez... ils vous donnent tout leur pouvoir pour mener votre mission. On a beaucoup de problèmes, on va essayer d'attaquer au maximum. Pas faire n'importe quoi, parce que quand on va dans tous les sens, après on est plus ordonné. Mais je pense que la priorité, c'est le bien-être des populations. C'est ça, on doit tous concourir pour ça. Au terme de cette grande cérémonie d'adoubement qui a drainé tous nos gratins administratifs, politico-judiciaires du département du Mongo, a été un grand moment de la culture Mbangone et de son mystique. Le cinquième monarque de la lignée chevale du canton Mbangone place son règne sous le prisme du développement du canton sous toutes ses formes.